Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en ligne. Regardez juste cette magnifique vue. Et non, on se retrouve pas pour ça, mais on se retrouve sur mon deuxième compte. Oui, j'ai un deuxième compte. Et je l'ai toujours l'autre, je pourrais pas préciser. On se retrouve pour la nouvelle moto, donc la Pegasus, qui vaut 2064$ si je trompe pas. Ouh, loulou. Donc elle est là. Donc elle est là, c'est la nouvelle moto, elle est vraiment stylée, je l'ai commandée, bien sûr. Donc elle est là. Elle est juste ici, donc elle est belle, c'est sûr. Donc on va la tester bien sûr. Donc dites-moi si ça vaut le coup cette moto, si vous l'avez trouvée bien ou pas. Il paraît, j'ai entendu dire, bon je pense que ça va être vrai, il paraît tous les 15 jours, à peu près tous les mardis, tous les 15 jours, on va avoir un nouveau véhicule, donc moto ou de voiture. Moi je pense que ça va être vrai. Il y a des personnes qui pensent que c'est une bêtise. Moi je pense pas. Donc je pense que tous les 15 jours, tous les mardis, mais tous les 15 jours, on aura un nouveau véhicule. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est vrai ou pas, si c'est un fake. Moi je pense que c'est vrai parce que là enfin on a eu la voiture et l'autre moto je crois, ou je sais plus quoi. Non, on a eu la nouvelle moto. Et du coup voilà. Donc ici on a une moto, je pense que c'est mardi prochain ou dans 15 jours on a un nouveau véhicule. Donc moi je pense que c'est vrai. Donc juste le bruit elle est vraiment bien. Alors j'en profite d'acheter un peu. Donc ça va. Le pot ça fait vraiment gros. Ah, j'ai pas regardé les caractères de la moto comme je fais d'habitude. Ça, c'est un truc que j'ai oublié de faire. Donc, on va vraiment regarder vite fait. C'est un truc que je fais à chaque fois quand il y a un nouveau véhicule, même si j'achète pas. Maximum vitesse maximum, c'est là. Accélération, c'est là. Freinage, il y a 2 barres. Et traction, c'est là aussi. Donc voilà, on va juste la custom un peu. Donc c'est vrai, elle est vraiment stylée. Faut voir, c'est bien pour faire des consoles. Des stunts avec ou pas, donc à tester bien sûr par la suite. Voilà, bien sûr. Ok, tout va bien, je me lève mais tranquille. Je suis pas tombé de la moto, c'est tranquille. On va aller la modifier un peu. Elle a de la patate parce qu'elle y va bien la moto. Aïe, faut les ôter, la petite chute là qui faisait mal. Ah, je préfère celle là que les autres qu'on a vu parce que des fois il y a des motos qui restent vraiment sur le dessus qu'on se retourne, c'était un peu chiant. Vous voyez un peu quand elle reste voilà les roues en l'air comme ça, c'est un peu chiant. Là c'était pas fait exprès bien sûr. Donc voilà la custom vite fait. Par contre elle a, sans la modifier, elle a vraiment de la patate la moto. C'est pas à l'ivin. Bah, je peux pas ressortir par là. Hop. Je la kiffe en fait, elle a vraiment de la patate. Je pense que je vais l'acheter sur mon deuxième compte. Donc elle a vraiment de la tronche. Par contre, pour ressortir, ça va être chaud. Là. Aïe. Moi, j'assemble ça. N'importe quoi. Allez, dépêche-toi. Hein. Faut aller la modifier. Allez. Je suis loin pas de l'auto custom. Si je suis loin, on va voir. Je vois même plus sur la map. Là. On va mettre un point parce que je le voyais plus. Ouais, c'est bon, j'en ai même pas pour 1 km à peu près. Donc, on va les conduire comme ça pour voir. Ça va, elle est stylée. On a toujours les rétroviseurs qu'on voit pas, c'est un peu dommage, mais elle est cool. Le bruit il est kiffant, donc écoutez bien le bruit, désolé. Aïe! Ok, tout va bien, mais tout va bien. J'ai envie de vous dire, hein, tout va bien. Elle va prendre cher à la force, la moto elle va fumer. Eh, vous avez vu, avec mes jambes, j'arrive à la pousser. Donc je me dépêche un peu. Pour aller la custom, c'est pas grave, mais hop là, et on descend et on retourne. Par contre, pour le freinage, j'ai l'impression qu'elle est un peu longue, c'est normal. À tourner plutôt, freinage, ça va encore. Désolé pour les invitations que vous entendez. Voilà, hop, et on est arrivé à Los Santos custom. On va voir comment on peut la modifier. Oh, genre, comment je me suis tué! Oh, la victime! La violence. Je vais faire une petite pause, ça dépend. Non, c'est bon, c'est à côté. Ça passe encore. Vraiment, désolé, c'était pas pourvu. Je pensais pas qu'elle allait se tuer comme ça. Elle est encore farzile, bien sûr, je suis au level 27. Regardez pas ses fesses, s'il vous plaît. On va regarder devant.
Je vous connais les garçons. Bonne petite cochon. Hop là. Et c'est parti. Elle lève la moto. Vous avez vu un peu la force. Hein. Ah ça va, elle se lève. Encore ça passe. Hop là. Hop, on va la custom vite fait. Donc dites-moi si c'est bien ça, c'est tout, si c'est bien dans tous les 15 jours qu'on aura une nouvelle moto ou pas. Freinage, j'en avais dit, elle était où? Freinage, ah oui, il n'y a pas beaucoup. Ouais, j'en ai pas beaucoup non plus parce que je l'ai. Déjà, on peut la custom en ça. C'est quoi ça? Phare, d'accord. Siège. Ah, ça reste cuffant comme ça encore. Garde debout. Ah d'accord, ouais. Oh, sans la plaque c'est mieux. Comme ça la moto l'appelle plaque. Réservoir. Donc on peut encore modifier les réservoirs. Là ça ressemble plutôt aux nouvelles motos qu'on, les motos qu'on a. Ah j'ai plus beaucoup de thunes, faut que je fasse gaffe. Moteur. Donc bien sûr c'est pour modifier un peu le moteur, mais je vais faire vraiment gaffe. De toute façon je vais refaire des activités avec ça. Donc les pots. Donc là c'est un petit pot qu'on voit là. Enfin gros. Plus gros. Et là voilà, là il y en a deux, et là il y en a deux là. On va laisser comme c'est. Klaxon, éclairage, motif. Ah c'est cool, on peut rajouter des motifs dessus. Ah c'est vraiment stylé ça, sur les motos qu'on peut faire ça. C'est vraiment, c'est cool, ça change de la peinture. Je sais pas, on verra ça plus tard. J'ai envie de vous dire, mais pour l'instant, je sais pas. Hop, on va faire ça vite fait. Et peinture, je sais pas. On va les laisser en noir, on verra ça, voilà. Roue, attendez, je veux juste voir. Non, on va laisser comme ça la moto. Je l'ai pas trop modifié. Peut-être la peinture vite fait, mais vraiment vite fait. Ouais, en couleur, elle est pas vraiment belle. Elle reste en noir, c'est vraiment. Ça reste beau. Hop, et on sort. Et du coup, on va tester vite. On va tester la vite fait la moto. Écoutez, juste le bruit. Bon, bien sûr, j'ai pas changé de moteur. Oui, je crois que je l'ai un peu custom. Et elle se lève, là, déjà. Ah, là, on voit du vouloir, la moto. On va essayer de trouver un petit stunt vite fait, même si je meurs, c'est pas grave. Donc, du coup, voilà, les amis, j'espère que cette moto vous a plu. Dites-moi si cette vidéo aussi vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez acheté ou pas, comment vous la trouvez. Et donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, moi je vous dis à très vite, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, et moi je vous laisse sur les images, je vous dis bon game à tous et salut tout le monde, peace.